T'es là? Ou t'es dans tes pensées? C'est pardon, Non, 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 pas de j'étais soucis. absorbée par mon écran. Du coup, il y a Vito qui a écrit. Putain. Pour la bannière. Qui m'a envoyé un mail, il m'a dit de regarder sur la page du Life Invader du LS Custom s'il n'y en avait pas déjà une. J'ai pas regardé. T'as fait quelque chose toi ou pas? Non, je suis sur autre contrat. Ah, bah très bien, très bien. Non, j'avais peur que. Justement, je venais te voir, j'avais peur que tu fasses un truc pour rien. Je vais aller regarder et Ok. puis je vais me débrouiller au pire, t'inquiète. Ok, Si ça jamais marche. t'es sur Si autre toi as chose. besoin. Ah bah j'ai presque fini là. C'est Ok. qu'en fait, je remplis le contrat que j'ai eu avant de d'être embauché ici. D'accord, ok. Pas de soucis. Bon, je vais voir ça et puis au pire, je te tiens au courant s'il y a besoin. Attends, Ok. je peux prendre ton numéro? Claro. C'est Malena, c'est ça? Ton prénom. Ah, c'est Malena. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. C'est 52 311. Oh là là. J'enclenche la musique avec mon téléphone sans faire exprès. Tu peux Je me... connais ça. 52 311? C'est ça. Ok. Hop. Et au pire, je t'envoie un petit message si tu veux, comme ça. Et je mettrai Roméo. Tout à fait. Comme ça, après, je pourrais te taper sans scrupule. Parfait. Ça marche. Fais quoi? Et toi? Bah, j'allais sur la plage voir si je trouvais le smoke on the water, truc de bœuf là. Ah ok, ça marche. Bah écoute, je reviens d'une ronde donc je vais pouvoir Ouais. bouger tout de suite. Je vais Pas de aller voir soucis. ton article sur le 14 juillet. Ouais, je veux bien, je l'ai mis dans les articles en attente de validation. Juste, est-ce que tu peux bouger cacahuète parce que je peux pas débâcher ma voiture là en l'état. Allez, je vous... Mais... Non mais... Merci. Merci. Elle a qui cette voiture là? À Duncan. Bon. Ouais, ça va. C'était juste, mais ça va. Bon, ben ouais, je vais faire ça. Et ça, c'est à Malena? La voiture blanche? Non, c'est à Eddie. Ah, ok. Il était plus au bureau là, quand j'y étais. Malena, elle a pas de bagnole encore, je crois. D'accord, ok. Allez, à tout de suite. À ouais, à tout à l'heure, ouais. Oh, ta mère. Du coup, on va faire quoi après? Je sais pas. Tu veux qu'on aille faire un petit tour à la plage? On pourrait. Allez, s'acheter une glace. Yes. Et après, on pourrait essayer d'aller voir Jeff s'il s'ennuie vraiment. C'est par les dames, hein, l'épicerie. Oui. Toujours. Et voilà. Merci. Et pour le gentil monsieur, les menus burgers. Gentil, monsieur. Gentil. Oh si, j'en suis sûr que vous êtes quelqu'un de très agréable. Oui, Voilà. oui. Bon, Ah, bonne vu le nom de soirée. la dame, je suis pas sûr qu'elle valide. Si, il est très gentil. Bon, bah nickel. Allez, Allez, passez une bonne bonne soirée. soirée, bonne Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oh, bah, il y avait... Y a moyen Dites-moi. d'avoir Ouais, 5 5 menus menus tacos tacos et et 5 5 menus menus burgers? burgers. 5 menus tacos et 5 menus burgers. Ouais. Sans aucun problème. Bah nice. Alors, ça vous fait un total de 1075 dollars. Voilà pour vous. Bah, je peux y... Merci bien. Donc, tac, tac, tac. Ok, nickel. Qu'est-ce que je vous mets comme sauce et comme boisson, monsieur? De l'eau, s'il vous plaît. Juste de De l'eau. l'eau. Eh bien écoutez, parfait, je vais vous chercher ça. Ne bougez pas. Merci, ouais. Je vous attends là. Ouais.
Ouais, Romano, ouais. J'ai lu ton article, là, il est super, mais est-ce que tu penses que tu pourrais mettre une image comme il avait Attends. fait, comme avait Je fait Bobby? te rappelle. Ouais, rappelle-moi, y a pas de... Excusez-moi, monsieur. Pas de soucis, c'est Voilà moi. pour vous. Donc ça, c'est les menus burgers dans un sac. Yes. Et les menus tacos dans l'autre. Est-ce que vous avez une carte de fidélité, monsieur? Non. Est-ce que vous la voulez? Merde! Ah, il semblerait que vos poches soient pleines. Alors attendez, je reviens. Allez, ça marche. Ah oui, bah oui. Logique. Allez, hop. Cinq burgers, on va dire. Cinq burgers, cinq menus oui. burgers. C'est pour emporter à la maison. C'est pour la maison, ça marche. Tenez, monsieur, venez, je vais vous donner vos tacos. Monsieur derrière. Ah oui, pardon. Allez, venez, hop. Je vais vous donner vos tacos. Putain, je suis bloqué de ouf. Voilà pour vous, monsieur. C'est vous qui avez rasé le parc. Rasé le parc? Oui, je suis allé voir les ouvriers du chantier et ils m'ont dit que le parc avait été rasé par des hommes en costard et des cravates. Non, du tout. Bah, j'ai pas de cravate, déjà. Et non, non, moi je travaille. Ah oui, autant pour moi. Je travaille au journal. Par contre, c'est pas vous, du coup, parce que vous êtes en costume cravate. Mais non, je leur ai dit que non. Pourquoi j'aurais fait ça alors que j'y allais tout le temps dans ma jeunesse? D'accord. Ben non, oui. Non, c'est pas moi. Mais on se renseignera si ça vous intéresse. Ah ben, je veux bien. Ok. Bon, bonne journée, messieurs. Passez une bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, Romano. Oui, dis-moi. Oui, donc je te disais, j'ai relu ton article, là, j'ai corrigé les fautes. Ouais. Est-ce que tu pourrais mettre une image représentant le 14 juillet, justement, comme avait fait Bobby pour le 4? Alors, je regarderai ce qu'il a... Avec une image un peu historique. Je regarderai ce qu'il a fait. Genre une image historique, genre de la prise de la Bastille. Ah bah, par exemple, ouais. D'accord, bah je regarderai, je croyais un tableau connu sur ça, donc why not faire un petit truc Bah après, moi, c'est qu'une suggestion, hein. C'est pour un billet un peu l'article, parce que là, c'est vachement aéré, mais ouais, après... Ouais. Ah, comment ça, pour mettre dans l'article? Ah oui, d'accord. Je pensais que tu voulais remplacer la bannière du haut. Ah non, c'est pour pour que ça se fasse un peu plus rempli. D'accord, ok, pas de soucis. Genre au milieu ou je sais pas. Non, mais après, encore une fois, c'est une suggestion, tu fais comme tu veux. Ouais, non, mais... C'est juste que j'étais en train de le regarder et voilà, c'est tout. Oui, je vais regarder ça, ça peut m'éviter de mettre des mots en gras, parce qu'au final... Isoler les informations, c'est pas mon fort, donc ça peut habiller un peu, ça sera pas plus mal. Et c'est con que t'aies abandonné cette idée de... Mais ouais, j'ai pas réussi finalement, enfin je trouvais l'angle sympa, mais j'ai pas réussi à le formuler sans que... Sans soit prendre le parti du gauchias, soit prendre le parti du facho en fait. J'ai pas trouvé le truc modéré entre les deux qui aurait pu aller... Merde, attends, je sais plus où je suis garé, putain, on discute là. Eh, t'as trouvé ta boutique de cannabis là? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, ouais, c'est fermé là, parce que c'est la nuit, mais de toute façon, c'est médical, donc je pense que tu peux pas rentrer sans prescription, et je connais pas de docteur pour... Mais je l'ai trouvé, mais je sais plus où je suis garé maintenant. Ok, allez, bon bah bonne chance. Ouais, je vais trouver ça, je vais revenir... Au bureau, ok, au bureau, à tout de suite. Ouais. Oh, pas le temps. T'inquiète. Youp. Coucou. Tu bosses sur quoi du coup toi? Je bosse sur... je relisais vos articles en fait. D'accord, ok. Je sais pas si quelqu'un l'a relu au final le truc du centre personne. Non, mais c'est pour demain de toute façon. Ouais, je pense, ouais. C'est juste que, du coup, au niveau des pubs, il faut que je vois ce que m'a dit Vito. Ah oui, putain, Burger Shot, je viens d'aller me prendre des tacos et j'ai pas participé. Quel con. Ah!
plus, il y a une carte de fidélité maintenant. Ouais, bah alors. Le mec me dit, vous voulez la carte de fidélité? Et en même temps, il me donne de Metacost et j'avais plus de place. Du coup, je fais attendez, je vais poser Metacost, je reviens. Et du coup, je suis revenu. Il m'a filé Metacost et il m'a pas reparlé de la carte de fidélité. Donc, dégoûté. Ouais, merde, ouais. C'est pas grave, la prochaine fois. Allez, mec. Nana. Je propose qu'on... C'est bon, je t'entends. Romain. Il est sourd Romain, comme une Romain. Taupe. Il est sourd comme une taupe. Quoi? Vous m'entendez pas, là? Mais ta gueule, putain, arrête. Hé hey. Ah, merde. Je me suis éclaté. Bon, je vais chez le docteur. C'est bien parce que maintenant je vous entends, mais même je... avec ce petit côté un peu rosé des joues, tu vois. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. J'avoue qu'on dirait un bébé qui a mal tourné, hein. Ouais, je suis plus. Mais maintenant je vous vois plus. Eh oh, ping-tong. Putain, j'en ai marre. Donc là, je vous vois maintenant. C'est bien. Et tu nous entends? Et je vous entends. Ah bah voilà. On va à la couture, tu fais quoi toi? Vous faites quoi à la couture? On va aller voir Harley pour participer au... Attends, je vais voir si j'ai pris mon service et je viens avec vous. Hein. Qu'est-ce qui vous amène là? Alors je viens pour payer les contrats de pub pour un petit studio. Ouais, ok, ça marche, bah, venez avec moi à la limite. Vas-y, y'a pas de soucis. J'ai vu que... Ouais, tout à fait. Je lui ai répondu tout à l'heure en message. Ok, ça marche. Je lui avais dit ce que j'en pensais, y'a pas de soucis. Ok. Allez, on va aller à l'étage. Je vais chercher une camionnette, moi. Vas-y, viens. Du coup j'ai pas entendu la réponse de Bobby, vous alliez faire quoi avec Harley? Enfin la couture. On va à la couture pour te balader et puis en même temps on va essayer de toper Harley pour voir si elle va participer au dossier de Bobby. Ok. Tu m'as dit qu'il était pas sur les latines ou pas ce soir? Ah bah si bien sûr que si. C'est qui m'a dit qu'il y avait pas? Bah ça devait être Bobby du coup. Oh putain, et cacahuète, c'est ta place ça? Oui, tu me casses les couilles toi, te mettre à ma place d'ailleurs. Ok, non mais voilà, on décide. Ah non, bah attends, je sais. Oh merde. Attends, ça va aller. Sinon, je débâche ma voiture et puis... je pense que ça règle tous les problèmes. Hein. Putain. On va faire ça, ouais. Non, en vrai, je l'ai débâché juste à côté de la tienne parce que tu m'as déjà fait le hier soir et elle est arrivée à côté. Tu peux essayer de débâcher la tienne, hein, tu verras. Ok. Admettons. Elle est vraiment pas chiante, cacahuète. Hein. Oh. Ah mais putain, c'est vrai. Attends. Putain, j'ai une blessure légère. Ouais, bonjour monsieur le président de la République de l'agriculture, au revoir. Oui. Ouais, ça devait être vers minuit 33 par contre. Mais oui, je vais bien envoyer. Allez, à plus tard. Bon, qu'est-ce que quoi? Ah bah on attend Bobby, c'est ça? Bah là on va attendre Bobby, ouais. Okay. Vraiment, apparemment il est en train de se faire marabouter par ma parce que apparemment on aurait pas envoyé une pub alors que je l'ai envoyé moi. J'espère. De toute façon je crois qu'il y a que Vito qui peut vérifier ça. Ah ouais.
Oh ah, le, like, okay. Le like de Taria qui fait plaisir. Dans le truc de... Ouais. Je l'aime bien quand je l'avais vu pour le MS, je la trouvais cool. Là. Oh ouais, bah c'est quelqu'un de, d'aimé par tout le monde. Hein. C'est vrai? Bah ouais, carrément. En gros, son parcours, c'est elle qui a organisé tout le MS, parce qu'avant il y avait zéro organisation, etc. C'est elle qui a tout mis en place. Oui, vas-y, mais viens, il faut que j'aille voir un truc dans ma voiture en même temps. Je t'écoute. Quand elle était à sa tête? Non, mais j'ai rien de plus à dire. D'accord. Pourtant, de ce que j'ai compris, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle y était, si? Novembre dernier? Ah oui, d'accord. Non, alors c'est pas... Ok, j'ai perdu toutes mes armes. Mais c'est mon cas, c'est mon coffre ça. Comment ça c'est ton coffre? Mais non, c'est pas ton coffre. Bah écoute, masque poulet, c'est mon coffre. Mais c'est pas toi tu regardes ton coffre, t'as pas dû fermer ta voiture. Ah non, vas-y ferme. Ah, what? Ouais. Ah, et j'en ai marre. Hein. Ah mais. Voilà, j'ai fermé. Oui mais attends mais ouais. Ok, ouais, c'est chiant. Hein? Holster, oreillette, rose, jogging, casque intégral. Oh, il y a des menus tacos sur moi. Je vais le prendre. Tac. Ok. Ah non, mais non. Ok, bizarre, parce que bon, le truc, c'était le truc, c'est pour finir la... Avec le... La, c'était à la moitié de la viewer pour la ouais, finir. Ouais, c'est ça. Je me suis mis en laborant, oui. Ok, bon, bah écoute, je lui ai fait 1000$ de sur sa facture de la semaine pour faire des scans. Je dirais plutôt qu'il y a eu un bug, et puis voilà. Ok. Alors, là, bon. Chiant. Tu peux avancer le camion, s'il te plaît? Je peux rentrer. Quoi? Ah oui. Personne n'a besoin d'aller à l'avant, on est là. Oh, aussi. Si, ouais. Je me suis ruiné avec mes motifs à la con, moi, tout à l'heure.
Je sais même pas si je suis en service ou pas. Ah, vaut mieux qu'on y retourne. T'as le doute. Non, c'est bon, c'est bon. Je crois que j'y suis, y'a pas de raison que j'y sois pas. Merde, mais non, mais je veux déposer. Mais non, dépose. Fume pas dans le camion. Oula. Putain, ça a encore pété quand ça l'a arrivé. Gary? Ouais. Ça va et toi? Ouais. Bonjour. Salut Zach. Comment ça va? Salut Zach. Salut. Bah ouais, clairement, vous voulez venir un reportage les gars quoi? Non, on vient voir Harley puis ce qui se passe dans le coin puisque. Ah mais elle est là Harley, elle répond pas. Ah elle est pas là Harley? Bah je sais pas. Tu viens d'arriver ou quoi? Je suis arrivé en ville il y a quoi une petite heure. Bonjour. Bonjour. Ça va Bobby? Ah salut Marcel, la forme? Ça va et toi? Ouais. Ouais, nickel. C'est toi que j'ai croisé il y a quelques jours devant le commissariat et qu'on s'est klaxonné au passage? C'est bien possible. j'ai vu passer une petite voiture rouge, ça m'a fait rigoler. Tu vas revenir à la culture? Ah ouais, je pense que... Ouais, ouais. Oh putain. Tiens. Là tu la vois? Ouais. Voilà quoi. Effectivement. Ouais, c'est un petit bébé quoi. Ça me changerait sûrement de cacahuète, c'est sûr. Ouais, mais... ouais. Ça, faut que ça te plaise, hein. Bah, 4... j'ai la thune largement. Et puis, s'il y a vraiment 40 000 de différence avec le prix concessionnaire. Et du coup, c'est... Ah, ouais, chez le concessionnaire, ouais, attends, je vais te dire, mais oui, je crois que c'est bien ça. Il me semble bien qu'elle est un peu moins de 130. Faut que tu t'asseyes. Je vais sûrement lui la prendre. Hein. Prénom, tout ça. La lui prendre. Et après, tu dois. Quoi? T'as dit lui la prendre. Oui. Lui la prendre, j'ai dit. Ouais. Ah bah la voilà. Ouais. Bon bah je crois que je vais l'acheter. Tu crois que tu vois que t'avais dit que ça te tomberait dessus? Ah quoique j'aime pas l'arrière. Ah. Ouais. C'est à qui ça? C'est à Marcel. Ah. Elle était pas où elle avant? Il a la même où elle non? Je sais pas. Et voilà, c'est celle-là. Hop. Ah bah, Gary va faire le tour pour regarder ce qu'il en pense du coup. Ouais. Attends, je vais même lui allumer. Salut. Allez, vas-y.
Ah bah Marcel, tu es en train de la vendre là? Eh oui, ça y est, peut-être bien parti. Non mais tu vois, c'est rigolo parce que Gary me disait hier que, parce qu'en fait ça fait des lustres qui roulent avec la Fiat Pinto là, la Pinto ou je sais pas quoi là, tu sais la petite bagnole genre smart là. Ah oui. Et en fait il arrive pas à se décider et je crois que c'est tout à l'heure ou hier, il me disait de toute façon je changerai de voiture quand l'occasion me tombera dessus. C'est pour ça que quand je t'ai croisé, je me suis dit mais ce serait peut-être bien l'occasion qui l'attendait, tu plus, vois. La voiture là, franchement, elle est bien. Tout le monde en ville la kiffe. Hein. Ouais, non, elle est vraiment chouette. Hein. C'est ouais, elle est magnifique. Un véhicule vraiment d'exception, quoi. C'est une voiture de luxe, mais qui coûte pas encore trop cher, mais c'est quand même du luxe. Ouais, c'est du luxe hein, quand même. C'est beau, quoi. Après, comme je dis, moi j'aime bien changer, donc c'est j'ai voulu cette voiture, je l'ai eue. Et du coup, bah voilà. Tu peux passer à autre chose. C'est ça. J'ai bien kiffé. J'ai... Bah, 600 km, je l'ai mis. Ouais, donc t'as roulé quand même. Ah ouais, j'ai roulé. Sur l'autoroute, ça monte bien, c'est chouette. Par rapport à la voiture qu'il a, je crois que ça va faire un choc. Hein. Ouais, parce que ça fait combien de temps qu'il roule avec la Pinto là, Romain? Ça fait 3 semaines? Ah oui, un ça mois va être ça, ouais. 3 semaines, un mois. Ah, mais c'est ouais. Romain, mais on se connaît. Oui, on a fait la course ensemble. Bah, on s'est déjà vu plusieurs fois. Ouais. Merde, ah mais il a pas sa casquette, on le reconnaît pas. Ouais mais c'est maintenant que je viens de regarder les lunettes, je fais mais... ouais je garde les lunettes j'ai pas par dit la, j'ai pas dit la moustache à la... Ouais, à la Freddy Mercury. À la Freddy, ouais. je dois m'absenter encore, je reviens. Mets-toi à l'arrière du camion parce que moi j'ai besoin de retourner au journal les gars. Oui non mais de toute façon si t'as besoin de retourner au journal, voilà. Je suis coiné parce que... Je... Oui bon bah vas-y, voilà. J'attends. Ça y est, je suis désolé. Ah bah le camion marche plus, Romain. Comment ça le camion marche plus? On peut plus rentrer dedans. Oh. Je reviens te chercher, Romain. Ah mais non, vous avez fait l'échange comme ça là, à l'arrache. Vous avez fait l'échange comme ça à l'arrache là. Il faut que j'aille la payer au commissariat. Ok. Je reviens te chercher. Ouais, merci hein. C'est bon. Oui, il a cartonné directement le petit muret. Et les scooters aussi. J'ai pas vu, mais ça m'étonnerait pas. Ah merde. Ouais, il a démarré à peine et il s'est mangé le petit muret là-bas en reculant. Oh là là. Ah, je l'entends passer. Oh là là, il va se prendre des accidents. Ah et oui, des, non, mais. Et des amendes de malade. C'était. Est-ce que c'est le judicieux du vent, je ne sais pas, non, mais bon, c'est vendu, écoute, moi j'y suis pour rien. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, j'ai pas compris. Là, il doit aller déposer, je pense, Gary, puis... Gary, il doit aller déposer... Bobby, puis à la banque, et puis au Comico. D'accord. Au moins, on peut faire les... Oh là, il y en a qui viennent se jeter des escaliers. Oh là là, c'est bien un drame ici. Et après, ben, on va faire la session, quoi. Et ouais. Et heureusement, j'ai un véhicule, donc ça va. Ouais, elle est pas mal, ça va comme je... là-bas aussi. C'est à toi, ça? Non, c'est une lock. Ça, c'est une lock, ça? Ouais, je loue ça à un garage, bah, le garage de Momo. D'accord. Vas-y, assieds-toi, tu vas voir, c'est... Pousser un peu dans les tours, c'est pas mal, hein. Ouais, ça va. Tu vas voir, le bruit est vraiment sympathique. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien. C'est ma cam. Gros moteur. Et ça se vend, je crois qu'il vend ça 66 000, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Et ça vaut, je crois, une centaine de mille. Bah ouais. Je pense que c'est 100 000 de l'achat de base. Et lui, ah, mais je crois que je l'ai vu, ouais. Je sais pas si je l'ai pas vu, si je l'ai vu passer ou pas. Il dit quelque chose, tu vois. Bon, après, je viens juste d'avoir ma gauntlette, donc je profite. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est chouette aussi, ça, un gunplay. Ah oui, moi ça me plaît beaucoup. Et ça accélère bien, hein, c'est chouette. Ouais. Ça fait un bon bruit. Ouais, ben, j'ai un ami qui en a une, c'est chouette. Une noire mate. La mienne est mate, mais il y a un petit nacré rose pour aller avec mes lunettes. Ok. Je vois. Voilà. Ah ben, si je la croise, au moins je sais que c'est à moi. Mais alors, a priori, il y a un mec qui a exactement la même.
Ah, vous êtes... Bon, bah non, c'est pas j'étais dégoûté, genre, quand je suis venu à la course, il y a un mec qui est venu me voir, il fait « Putain, j'ai exactement la même !» Donc, oh là là. J'étais dégoûté. Bah ouais. Enfin, tu crées ton véhicule, entre guillemets, tu personnalises la couleur, c'est le ça. Ou quoi, et au final... Ah bah non. Surtout que je me suis dit une gantelette rose ça va pas ouais. Ça va pas courir les rues et tout, bah si a priori. Eh bah ouais tu t'es fait avoir. Bon je suis... mais bon non c'est pas grave, la garde elle est bien comme ça. Elle a des vitres trop teintées a priori d'après la loi, mais pour l'instant on remarque rien. Ah bah tant que tu te fais pas arrêter. C'est ça. Ça là aussi a des vitres bien teintées cela dit. Hein. Bah c'est le sérieux? Attends. Ouais. Ah ouais. J'ai pas encore fait l'air de pare-soleil là, il est. C'est il est bas le pare-soleil. Ouais, c'est vrai. On voit pas bien dans ce véhicule, je pense. Du coup, on a pas eu de nouvelles pour la course, ils vont jamais la refaire en fait. Bah écoute, bah voilà, j'allais justement demander si vous aviez des nouvelles. Tu travailles là-bas maintenant? De quoi, Weasel? Ouais. Ah bah ouais, bah oui, du coup, mais c'est bien, franchement, félicitations. Oh ouais, non mais c'est... Parce que aux dernières nouvelles, tu m'avais dit que t'avais pas été pris. Oui. Mais que ta candidature était postée un petit peu après, du coup, tu t'allais attendre de voir... C'est ça, bah du coup, Bah tant mieux. Ça a été 2-3 jours après, on m'a contacté, donc c'était cool. Ah bah t'es à Bobby, revenu. Ah bah voilà, bah je pense que je vais aller jusqu'au Comico, il doit déjà y être. Bon bah à plus tard. Ouais, ciao. Ciao. Tu fais quoi du coup Bobby là? Je retourne bosser au journal. Ouais. Et toi? Je sais pas là pour l'instant du coup. Enfin, ah mais si je sais. Je vais à l'hôpital. Ok. C'est qui avec qui tu discutais là avec la caisse grise? Bah c'était Marcel. Ah d'accord. Il loue la voiture à Momo. D'accord. Ouais, c'est des routes là. Ah ouais, c'est l'orgie là. Est-ce que il serait pas judicieux de faire un article sur ce carrefour pour que la municipalité fasse enfin quelque chose pour faire un rond-point? Oh, il y a celui-là et il y a celui du Weasel là aussi. Hein. Oui. Les explosions toute la journée, merci. Hein. Ouais, mais celui du Weasel, tu vois. On est les seuls à y être, alors que celui-là, tous les couturiers, ils sont tout le temps en train de faire putain, mais... Enfin, c'est toujours la galère d'aller bosser, quoi, pour... On a peut-être un truc, là. Genre vous. Je note ça dans un coin de ma tête. Merde. Oui, Gary. Ah non mais tu restes dehors en fait, tu rentres pas dans le Comico. Tu restes dehors et quand Marcel va arriver, là on l'a croisé, il est parti. Vous allez faire venir un agent devant la voiture pour faire l'échange de flux. Et comme ça tu vas avoir, surveille bien que t'as un petit message en bas à gauche de ton téléphone qui te dit que elle est bien à ton nom. Ouais, tu regarderas, ça va s'afficher que la voiture, l'assurance est ok à ton nom. Avec l'immatriculation, quand la vente sera faite. Allez, à toutes. Tu veux voir ce qui m'a coûté 14 000 $ absolument pour rien, comme modif? Vas-y. Voilà. T'as modifié quoi, les jantes? Les jantes. Ah, le capot en... Je sais pas quoi. En métal. Les phares là à l'avant, avec il y a un treuil pour tracter des véhicules. D'accord, et ça il fonctionne? Je sais pas, la galerie. Ouais, ça il me semblait avec les barres spots. De toi là. C'est non, ça, mais... et voilà, et ça m'a coûté 14 000. Ah, c'est. On sent que t'as step up dans le game toi. Je voudrais juste changer la couleur, mais je sais pas quoi faire. Je te montre un truc. Ça c'est pas mal. Mais je vais pas faire la même. Non, franchement, à chaque fois que je la vois, je suis fier de ce coup. Ah bah tu peux parce que c'est très très classe. Mais non, un truc. Est-ce que
Merde, je te voyais. Je savais plus où t'étais. Est-ce que tu ferais pas un truc un peu clinquant, tu vois, dans ce style-là, mais genre doré. Un accrage doré sur le sur du Normat. Ah ouais. Et c'est ce que j'avais sur ma Blade. Sur ta blade. Merde. Ouais. Mais je me demande si je partirais pas sur une couleur brillante, mais métallisée, mais en même temps, je sais pas. Ouais. En fait, je veux qu'il ait vraiment l'allure d'un 4x4, tu vois, d'un truc un peu tout-terrain, quoi. Ouais. Mais classe, donc autant qu'il va falloir que je reste noir, je crois. Il va falloir que tu fasses des recherches sur tout ce qui est Jeep, éventuellement, mais... Ouais. Pensez à un rouge très foncé, tu vois, sinon. Sorti du kaki, Oh non, ah non, attends. Pas de kaki. Pas de kaki. Déco de Jeep. Ah bah non, c'est pas ça que je veux. Je regardais sur mon téléphone. Ah oui. Les décos de Jeep. Et en fait, c'est pas des décos de Jeep qui me montrent. C'est faire de la déco de chez toi avec des trucs Jeep. Et ça, c'est. Ah ouais, sans branle. Ouais, voilà. Donc, on sera plus précis. Genre, quelle peinture pour une Jeep ou voilà. C'est qui ce mongol là? Mon gars! Il a tronche en biais un peu, j'ai l'impression, non? C'est le fondateur du Wazel. Sérieux? Non, sérieux, je sais rien. Non, attends, ouais, il me semble bien. Et il faudrait voir avec Vito pour l'allumer cet écran. Lequel? Bah, celui-là. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même vachement grand pour être éteint. Bon, ça me dit pas ce que je fais. Le truc du Parson, on va le laisser comme ça et on mettra un message comme quoi. Bah, je sais pas, ça fait chier quand même. J'envoie un ou deux mails. Ah, elle a 30 ans, Madame Péton, ok. Ah putain. Alors, j'ai du vert kaki à te proposer. Du vert classique. Ouais, vert hors de question. Du vert fluo. Non, encore moins. Alors, il y a un gris mat. Ah. Gris mat, ça peut être pas mal. T'as du cuivré. Alors là, ouais. C'est peut-être carrément, tu vois, genre orange mat avec par-dessus un accrage doré. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Bonsoir, petit. Oh, il me renvoie là-haut, là. Alors là, je vais lui dire à quelle heure je vais la mettre et il va me dire non, ça me va pas. Bon, du coup, je vais avoir 2-3 mails à taper, moi. Ouf, ça va. Je pense que, à mon avis, l'appel de Vito hier a dû le calmer. J'avoue que 15, il était chaud hier soir, Vito. Dynasty 8, où est-ce qu'ils sont? Je vais t'envoyer Dynasty du coup hop, ça. Alors ça, à mon avis, c'est un bon fake, mais. Je suis obligé de faire 4 choses en même temps, hein. Tu fais quoi? T'as besoin d'aide? Là, je prends, je me note dans mon magazine les infos que vient de me donner Sophie Péton. En calant la pub à 22h15 pour le mec et en surveillant l'heure, parce qu'il faut que j'en envoie une à 22h45
à 21h45. Et en réfléchissant au fait qu'il faut que j'envoie un mail à Vito parce que apparemment la pub de minuit et demi l'autre jour n'est pas partie et que du coup il a pas voulu me payer me payer entièrement le mec du petit studio. Ok. Et voilà. C'est pas mal. Alors il y a ça. Oui, y a ça. J'ai pas le temps de me faire chier en fait. Hein. Ben ouais, alors que je peux rien faire moi pour t'aider. Bah en fait du coup non. Bah voilà, c'est ça qui est chiant. Voilà c'est ça. Ah pas mal, pas mal. Et en même temps, je regarde ce que tu m'envoies. Et voilà. Alors on est sur deux styles de véhicules différents, mais je trouve que les deux peintures vont bien pour aller avec le tien. Ah j'aime bien le gris foncé. Ouais, bah c'est... Le gris mat là. C'est un peu plus classique quoi. Ouais, mais en fait le noir mat, je le trouve tellement classique. Ah ouais, oui, je suis d'accord. Ouais. Allez, mail à Vito. Hop. Putain, je pourrais faire. Putain, c'est pareil, j'ai mon article. Tout à l'heure, je suis exprès reparti à la boutique White Widow juste pour noter le nom des rues. Ouais, bah ouais, c'est ce que je fais en général aussi quand j'ai oublié de noter. On est d'accord que sur le GPS, c'est marqué quand ouais. t'as un croisement, ouais. Ça te met les deux. Rues. Ouais. Ouais, ok. C'est bon. J'ai eu un doute, mais j'ai fait une capture d'écran de mon téléphone pour quand il avait le GPS justement pour garder le nom des rues. Et d'ailleurs, je sais plus. Ah oui, si. En fait, attends. Pour parler des petites boutiques qu'il y a dans le coin. Non. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Je t'en reparlerai plus tard. Ok. Hop. Non, mais non. Je... Ah si. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Oh. Là, il y a une voiture qui a défoncé la bouche incendie. Ah ben bah, c'est ici c'est dramatique. Hein. Hola. Hey, salut. Salut. Comment est-ce? Bien, bien, et toi? Ça va bien. Il est toujours pas revenu, Kali? Il est allé acheter une voiture. C'est qui, Kali? Oh. Et il m'a acheté une espèce de voiture de sport magnifique. Je pense rouge. Que si avec ça... Oui, rouge. Et je pense je que si... C'était celle de Marcel. Et je pense que s'il fait pas craquer le cœur des filles avec ça, ben, ça veut dire que je comprends pas. Aïe aïe aïe. C'est magnifique. Ben moi, il vient me voir avec une voiture comme ça, je tombe dans quand les tu pommes. Craques. Ah okay. Moi je craque. Il serait pas de ma famille, déjà tu vois. Tu lui proposes de procéder au toucher rectal pour le tour à la place de médecin. Ah ben non, non. J'allais y réfléchir mais en fait non. Ok. Après, ça mérite réflexion. Écoute, je le note dans mon petit carnet, attends. Parce qu'à mon avis, il faut que je réfléchisse à cette idée. Penser au toucher rectal fait par Gary. Fais petit schéma à côté. Non. Tu veux faire le dessin sur mon carnet? Ouais, je veux bien. Vas-y. Hop. Je fais petit doigt. Alors là, je fais petite courbule pour représenter ton cou. D'accord. Donc, comme ça, petite flèche pour montrer le mouvement. Bon, c'est schématique. Voilà. Ah bah ça m'a coupé l'envie. Ah, oh, c'est bon. Ça y est, tu as pris ta décision. Ah oui, j'ai pas envie. Ok. Ça va, toi? Oui, claro, ça va. Je... Si, ça va. Bon. Vous allez aller à soirée ce soir de Oui, du coup, ouais. Je sais pas si t'y vas toi Romain. Romain, tu fumes dans le bureau? Non.
Bah, tu vois pote. De la fumée quelque part? Non. Voilà. Et du coup, j'ai pas encore décidé pour la soirée. Ça vous le quand? Je pense que la soirée à 23h, est-ce qu'ils ouvrent avant ou pas? Je sais pas du tout. Oh, c'est pas dans la politique de la ville en général d'ouvrir plutôt. Oui, c'est vrai. Ouais, pense pas aux gens qui travaillent tout. Ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe. Papapapam, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, j'ai un petit crayon à voir, je vous laisse. Ok. Est-ce que j'avais dit qu'il fallait que je fasse la facture? Ouais, tout à l'heure. Donc, la facture, ça c'est fait. Il va falloir faire un avoir à lui. Et. J'oublie un truc, il y a une facture que j'oublie. Il nous reste donc plus qu'à attendre le retour de l'équipe, alors c'était le meilleur. Oui, je suis là. C'est bon, j'ai adapté, j'ai rajouté deux phrases. Ok. C'est que j'ai même pas encore lu. Hein. Je sais. Oli, gérant du LS, que ce serait pour régler les. Les factures, sûrement. Les publicités, ah oui. Combien elle? 11 900. Donc il faut que je fasse la facture à ça là, 5 800, facture custom 11 100. Ah, c'est cool, elle vient. Cool. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche, ça un jour faudra qu'on m'explique. Ouais, je vais t'expliquer. Non, non, mais c'est pas pressé. Parce qu'après, il faudrait que je le fasse, du coup. C'est pas dans mon contrat, hein. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu. En fait, le premier jour, quand on était que deux avec Gary au début, moi, j'ai pris ce truc-là en main, et en fait, au fur et à mesure, je me suis fait bouffer. Et en fait, normalement, on est censé tous le faire, ce truc d'envoi des pubs. Après, je trouve ça bien que tout le monde ne le fasse pas, parce que sinon ce serait le bordel. Ça enverrait les pubs dans tous les sens vu qu'on n'a pas de radio. Attends. Hein. T'es souhaité ? Non ? Excuse-moi. Non, non, mais t'inquiète. Qu'est-ce qu'on disait? Que tu t'étais fait bouffer par le truc, mais que c'était bien qu'on soit pas tous à le gérer, parce que sinon ce serait le bordel. C'est ça. Ouais, t'as vu, je suis, hein, quand même. C'est vrai. Malgré tout.
En fait, quand on reçoit une alerte comme ça, je te le dis pour si à un moment tu te retrouves à devoir le faire, parce que ça va forcément arriver. Quand sur ton téléphone, tu as une appli toute rouge qui s'appelle oui. Weasel News, ouais, et ben, tu cliques dessus, tu le vas dessus. Et en fait, c'est une boîte SMS. Voilà, là, tu peux y aller, hein, ça craint rien. Et ben, tu as les alertes qui sont dedans. Ok, mais de toute façon, il faut que je réponde pour que l'alerte elle soit acceptée, non? C'est ça. Non, je crois que dès que à partir du moment où tu le premier qui ouvre le message, c'est comme s'il avait accepté. Bah ouais, d'accord. Et du coup, si on te comment, on te ping un endroit, tu sais, les mecs ils te transmettent leurs coordonnées GPS pour te dire il se passe. Ouais, on l'a ici ça ou pas? Ouais, en fait si là quand j'ai pris l'alerte, si elle l'avait activée, j'aurais eu l'endroit où elle est directement dans mon GPS. D'accord. Okay. Ah bah elle est là. Reviens. Ah mais il est là. Romain ? Oui. Bonjour. Madame a quelque chose à te dire. Donc, donc du coup je vais me présenter quand même rapidement. Je suis Olivier Fried, la gérante du LS Custom. Ouais. Juste je crois que donc du coup on a dit que c'était vous qui avez fait la bannière sur le. Ouais. Bah, je tenais juste à vous dire que j'aimais bien justement. Ah bah super. Voilà, ouais. C'était juste pour vous dire qu'elle était simple toute, elle était très bien. Ok, voilà. Bah tant mieux. Et du coup vous avez commandé à Vito donc des bannières et vous avez commandé un format un peu plus grand. Ou, je crois bien. Ok, oui, bon, oui. Je vais vérifier avec lui parce qu'on est en train de préparer des magazines là pour cette semaine. Et si c'est ça, on fera une intégration des formats un petit peu plus grands. Si on reste dans la même veine graphique, ça vous convient? Ah bah moi oui, moi oui. Après sinon, okay. Pareil, on peut demander à Malena aussi. À Malena, ouais. Peut-être, peut-être qu'elle pourra faire un truc. Je sais pas si vous avez vu ce qu'elle avait fait pour Taco Burger Shot. C'est son dernier affiche du Burger Shot, je crois, non? Ouais, du coup, ouais. C'est les dernières affiches du Burger Shot, c'est ouais, vraiment propre qu'elle fait aussi, mais ouais. Voilà, mais ouais. Elle bosse ici, donc peut-être qu'elle pourra vous faire les trucs si elle a le temps, plutôt que moi, on sait pas vraiment. Bah ça, c'est, en soi, c'est vous qui voyez, je peux... en, si, fait, ouais, en fait, c'est vrai que j'ai demandé à afficher, mais... Ok. C'est surtout si c'est un peu vous qui voyez, plaît. Ouais. Si le style vous plaît, autant partir sur quelque chose aussi propre que ça, c'est pas mal. Ok. C'est vrai que son style est très plaisant aussi, je vais pas mentir. En tout cas, la petite bannière, propre, vraiment okay. Propre. Très bien. Ah, nickel. Propre, nickel. Si tout le monde est bien, c'est parfait. C'est top. Bon, okay. Bah, je vais envoyer le mail pour la facturation des bannières, d'accord. Du coup. Bah, et puis, dites, ouais, et comme ça, je passe vous voir tout à l'heure si j'ai l'info, ou sinon, vous êtes là demain, vous? Moi, je suis là, oui, demain et jeudi. Ok, impeccable. Bah, si c'est ça, je passerai vous voir du coup. Je vous fais un petit message. Yes, bah nickel. C'est bien votre numéro qui s'est affiché? Attends, c'est le mien, 63055, okay. C'est le mien. Eh bien, je vais me l'enregistrer comme ça en l'aura. Et si jamais je ne suis pas là, vous pourrez demander à mes chefs d'atelier, vous la reconnaîtrez, pantalon tout bleu. D'accord, ok, ça marche. Logan Labrava et Mickey Santana. Ok. Pour info, quand vous avez des questions donc de ce genre concernant la pub et que Vito est pas là, c'est avec moi qu'il faut que vous voyez. Donc moi c'est Bobby. Donc vous n'hésitez pas si vous avez une question. Vito a tendance à arriver un peu tard en ville, donc du coup, oui, moi, je sais. Bah, du coup je prends le créneau avant lui, hein, de 20h à minuit. En gros, moi je suis présent pour répondre à ce genre de sollicitation si vous avez besoin. D'accord. Ça marche. Bien reçu. Eh ben nickel. Je vais vous raccompagner en bas parce qu'on a tendance à se perdre. Passez une bonne soirée, monsieur. Ouais, merci, bonne soirée. Et voilà, mais je vous dis peut-être tout à l'heure. Eh ben, sans problème, je fais bon courage à vous. Merci. À tout à l'heure, au revoir. Bah ça fait plaisir comme retour, ça. Bah ouais, carrément. Très bien, très bien. Ouais, après, j'aime beaucoup ce que fait Malena, donc ça serait cool qu'elle fasse... Si c'est pour des A4, autant les bannières, les petites bannières comme ça, je m'en fous, mais pour des A4, je trouve ça plus classe. Ouais. Oh putain, la pub de 22h, tu vois, le problème de ce truc-là, c'est que quand je fais putain, un truc... Putain, mais t'en as tous les quarts d'heure. Ça dépend des créneaux, mais vers cette heure-là, ça s'accélère un peu, mais là, je vais être tranquille jusqu'à 22h30 après. D'accord. T'en as pas une à 22-15 pour l'agence? Ah si, putain, j'en ai une. Bah oui, il me semblait bien. Tu vois, heureusement que je suis. Ah là là. Je vais envoyer un mail à Vito.
Non, je sens venir une absence. Je vais peut-être être dans mes pensées 5 minutes. Hein. Ok. Attends, je vais faire un petit tour avant. Histoire de vraiment pas avoir un blackout. Alex Custom, ça y est, c'est là. Non, non. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, encore une voiture qui a tapé la bouche à incendie. Ah non, moi c'est il y a des voitures qui... Ah bah c'est la voiture de... Fou. La voiture de la garagiste qui a pété un plomb un peu. Alors du coup, là je vais facturer 11 009. Et il faut en plus qu'elle paye... Ok, c'est là. Plus 7500. 3000 plus 7500. Hein? 1500. Plusieurs reprises, si vous savez quand est-ce qu'il serait là. Monsieur Genovese, c'est vers 23h30 normalement. Parce que il veut que le gouvernement règle la facture, donc j'étais venu pour ça, mais bon. Ah oui, c'est vous, Monsieur Johnson. Tout à fait. Je vous reconnais tout juste là, désolé. Vous en faites pas, c'est pas bien grave. Ouais, vers 23h30, Monsieur Genovese. 23h30, très bien. Et c'est vous du coup qui vous occupez de la rédaction des articles? Exactement. Je voudrais savoir si c'était possible d'intégrer des avis de recherche dans les articles. Ça, il faudra voir avec Monsieur Genovese, on ne peut pas forcément vous le dire nous-mêmes. Non, bien sûr, non, bien sûr, hein, je verrai ça avec Monsieur Genovese, mais est-ce que dans la pratique, c'est possible, vous voyez? Avec un bandeau, quoi, un truc du genre. Je ne sais pas, ça, de la meilleure façon. Non, mais oui, bon, ça... si nous demande, on trouvera une solution. C'est faisable, quoi. Oui, c'est largement faisable, c'est du domaine du faisable, vraiment. Si, très bien. J'imagine bien, on nous donne une photo ou une description, et puis on se démerde après pour... Oui, bien sûr. Voilà. Mmh. Bien sûr. Très bien, il n'y a pas de soucis. Je vous remercie. Du coup, 23h30, c'est ça? Bah, je dis, ouais, c'est normalement. Parce qu'en fait, il m'a appelé à plusieurs reprises. Il m'a appelé une dizaine de fois, à vrai dire. Mais j'étais en vacances. Au pire, ce que je peux, je ne sais pas si vous êtes là vers 23h30 ou bien après, lui demander de me contacter lui. D'accord, très bien. Ouais, bah, je vais faire ça. On va passer le message. Très bien, je vous remercie. Vous restez toute la soirée, du coup Je ne sais pas, mais je resterai du moins jusqu'à minuit, quoi. Je vais essayer. Ok. Ok, ça marche. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, du coup, messieurs. Bon, de même, bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors, hop, hop. Ouais, c'est bon. Il faut vraiment que tu fasses un truc pour ta voix. Ah. J'aurais dû fermer ma gueule là, c'est ça? Non, non, évidemment que non, mais... Non, mais oui, mais si c'est pas... Mais oui, il aurait mieux valu, oui. Ok. Enfin, quand... j'essaie de te le dire gentiment. Mais... Non. Bah, tu m'attends 2 minutes? Ouais. Hop. Ah putain. C'est mieux ou c'est pas mieux? Parle, parle. Il faut que tu fasses des longues phrases. Ah oui, bah écoute, on verra sur des longues phrases. C'est quoi l'alerte? C'est quelqu'un qui est victime d'un abus de pouvoir, etc. Enfin, qui dit être victime d'un abus de pouvoir, etc. de la police. Je lui ai dit de passer d'ici 10 minutes. Ok. Bon, on va faire la petite affaire là avec les bagnoles et puis... Ouais. Elle est où Cacahuète? La vois pas? Vas-y, la bestia est ouverte, prends-la.
fous. Tu peux... Aïe. Quoi? Mais quoi? Tu peux essayer de rentrer dans le cacahuète plutôt? Tu peux essayer de prendre cacahuète plutôt? Bah je la vois pas. Attends. Sérieux? Regarde, hop, elle est là, je suppose. Oh mes couilles. Ouais, ouais, bah laisse tomber. Oui, allô, bonjour, monsieur le président de la République du ministère de l'Agriculture, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, vas-y. Oh, oh putain, t'as gagné 5 minutes à cause. Ah bah bien, bien joué et bien bouffé pour l'arme. Bête. Yes, on se voit la soirée latine au palace. A toutes. Oh putain, faut que j'aille chez les EMS. Oh, t'es sérieux là? Quoi, t'as besoin de moi? Tu veux pas rester avec moi pour le... Non, j'ai pas forcément besoin de toi, mais si t'avais voulu faire le témoignage avec moi... Ah oui, oui, bah oui, si tu veux, carrément. Je me suis cogné tout à l'heure sur le mur, sur le coin du mur, du coup j'ai encore mal au crâne. Et d'avoir des cacahuètes sur le parking. Hein. Maintenant c'est moi qui ai des problèmes d'acouphène. T'as des problèmes de son là? Oui mais c'est moi. Mais bon, on va voir. C'est horrible ce bruit. Ah c'est... oui pardon. Oh, non mais je sais pas mais... Mais je relève vraiment... Voilà. Oui ton micro. Pardon, tu relèveras ta gueule, ça fera du bien. Ouais ouais c'est ça. Ah ouais, c'est plaisant. Toujours... Pouf. Ah je me suis éclaté. Ah c'était fou. Ouais, il y avait ton épaule, je l'avais pas vu. Non, heureusement que je me suis attrapé avec la main, mais je me suis niqué la main. Bon, allez, c'est parti. On va prendre un nouveau bloc-notes. Merde, j'ai fait quoi du mien? Il est là? Ah oui, c'est sûr. Tu me laisses parler, tu prends les notes? Ah non, 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 tu... De quoi? Ou je fais les deux en même temps? Ok, très bien. C'est le monsieur là? Gary. C'est peut-être Ping Tong. Oui. Eh ben c'est pas lui. Oui. Allô? Où? Bah, là. Il ressemble pas à un chinois. Non, y a que moi qui vois quelqu'un là sur avec une doudoune multicolore. Ah oui. Putain. Ah. D'où tu sors? Bien. Oui. Bah, j'étais au bureau depuis tout à l'heure. T'es sérieux? Bah oui. Je savais pas. Mais si, je répondais à l'alerte. De quoi? Mais je croyais que c'était je croyais que c'était Gary qui répondait. Mais non, c'était moi. Bah, je crois qu'il y a eu une incompréhension. Parce que Gary là, il était persuadé de s'occuper du qu'il allait s'occuper de l'interview. Non, quand tu regardes la conversation, regarde. Mais je sais pas, moi, je sais pas qui a envoyé quoi. Bah tout. Peut-on se rencontrer? Bien sûr, tout ça. Êtes-vous intéressé? Oui, complètement. Peut-on se rencontrer? Ça, c'est moi. Voulez-vous passer me voir au journal? C'est moi. Bipez-moi quand vous êtes en bas. Ben oui, mais lui, il a dû envoyer des messages que l'autre a pas reçus, mais vu qu'il recevait des réponses. Il y a aucun souci. Merci beaucoup. Coucou, Bobby. Eh, hey, coucou. Bonne soirée. Tac, bonjour. Tac, bonjour. Bonne soirée. Bonjour. Gary. Oui. Il faut prévenir, moi, si c'est pas de la pub, je prends. Hein. Ils ont des sacrés locaux. C'est magnifique ici. C'est vraiment sympa. Un bon goût. Ah bah attends, on peut y aller... On peut quand même y aller tous les trois, non, non. Oui, oui. Je vous laisse entrer, messieurs. Ah, la table, elle est pas pratique. Ah, la table, elle est pas pratique. Ah oui, effectivement. Allez, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Je me fais hier, j'ai venu de terminer mon poste chez Maria.
à la couturerie. Et en fait, il marchait. Pour une fois, il voulait voir qu'est-ce que ça donnait le long de la voie ferrée pour retourner en direction des du garage Benoît d'occasion. Et en fait, il est remonté en direction des, de la roue. Il marchait normalement et il y avait une course poursuite. Les policiers, ils étaient très très occupés. Et en fait, il était dans un petit passage. Il peut vous montrer l'endroit. D'accord. Et d'accord. En fait, il n'y a pas la place pour. Enfin, c'est très étroit. Ouais, okay. Et en fait, il était condamné à. Parce qu'il a gêné les passages. Il suis tombé sur les véhicules que la police il poursuivait. Alors, les véhicules qu'il poursuivait, il a failli m'écraser. Alors, il était surpris. Et derrière, les policiers qui sont passés, ils ont voulu continuer la course poursuite. Mais comme il était dans les passages, ils m'ont arrêté pour obstruction à la justice. Alors que moi, il marchait juste. Il y avait mon ami qui est ici qui venait me chercher. En plus, chercher. Oui, je confirme. En plus, on vous a vu hier soir à la couture, donc effectivement. D'accord. Bah, après, moi, c'est vrai que je travaille tous les jours là-bas. J'aimerais bien changer mon véhicule. J'ai contacté les garages Benoît pour faire ça. Il y a des personnes du garage qui peuvent témoigner. Et donc, j'ai sorti à pied, mais pour changer un peu, je suis passé par en dessous. Enfin, pas par la route principale. D'accord. Et voilà, moi, je l'ai juste marché. J'ai trouvé ça que c'était vraiment dégueulasse. Donc, on résume. Vous êtes passé par la voie ferrée pour aller vers le garage Benoît. Vous êtes tombé sur une poursuite, mais vous étiez pile sous les, enfin près du véhicule qui poursuivait. C'est ça. Et donc une des voitures de police s'est arrêtée. Et ils m'ont arrêté. De continuer la poursuite. Si, ils m'ont arrêté moi. Ils ont abandonné leur poursuite et moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis resté sans bouger. Si j'avais voulu, il aurait pu. Fuir, enfin oui. Partir. Oui. Sauf que je suis resté là un petit peu stoïque, surpris des. Et c'est beaucoup plus simple d'attraper les personnes qui marchent, que d'attraper les gens qui font des. Et bêtises. Donc vous avez eu quoi là? Ils vous ont amené au poste? Vous avez eu une amende? Si. J'ai $1,000 d'amende. Quoi? Et j'ai fait 10 minutes j'ai fait un temps de prison. Mais moi, je gâche pas. Je travaille à la couturerie. J'ai pas de gros moyens. Je voulais juste contacter les garages Benoît pour avoir un meilleur véhicule. Parce que je travaille pour ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. C'est carrément dégueulasse. Qui m'arrête moi plutôt que les gens qui font Vous êtes déjà connu des services de police pour autre chose? Alors oui, il y a eu quelques problèmes à mon arrivée en ville. Est-ce qu'il est vierge ou non? Non, il n'est pas vierge. Là, il y a quelques jours, il y a une personne, elle m'a dit. Tu peux prendre la voiture. Alors, regardez. Je sors de chez Maria. Oui. Je vais au magasin pour m'acheter un sandwich à pied. Arrive au magasin, une personne elle me dit, tu peux prendre ma voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends la voiture et derrière, le véhicule, il était volé. Mais ça, je ne savais pas. C'est... D'accord. Et c'est quoi votre nom? Oui, il y a un casier. Hein. Si c'est pas indiscrétion. Non, pas de problème. Je suis Sven. Nursotti. Nursotti. Sven Nursotti. Ok. Si. Life Invader ou un truc du genre? Pas du tout. J'ai voulu me créer un, mais mon adresse mail, elle a
été validé, enregistré et essayé. Mais... Ils vous ont confirmé qu'elle n'était pas validée ou parce non, que ça faut chercher dans les courriers indésirables d'habitude hein. Ah bah, je vais réessayer alors. Ok, bah merci pour votre témoignage. Encore une fois, comme on le dit, parce que vous n'êtes pas le premier à venir nous faire part de ce genre d'informations. Nous, on va pas forcément en faire un article. On est en train de récolter un max de témoignages, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de cas comme le vôtre qui nous sont rapportés. Donc nous, là-dessus, on essaie de prêcher vrai du faux. On sortira un truc quand on sera 100% bien sûr de après, ce qui est véridique et de ce qui ne l'est pas, quoi. S'il faut, il peut vous montrer où est-ce que ça s'est passé. Bon, si de toute façon, ouais, mais de toute façon, je vois bien, c'est le pont sous la, c'est vers le garage Benmois ou près de la couture. Mais c'est pour montrer que la stupidité de la chose, dans le sens où vous la taille du passage, ouais. Forcément, s'il y a une personne qui marche à pied, il peut que gêner. Hein. En effet. Et okay, est-ce que vous avez demandé la présence d'un avocat ou pas du tout? Bien sûr, j'ai demandé. Ouais, oui, ça vous a été refusé. Il n'a pas eu le droit. En fait, il n'y a pas eu possibilité de me faire défendre. D'accord. Ils vous l'ont dit direct. Enfin, ils vous l'ont dit comment, si c'est pas indiscret. Ah non, non, ils m'ont dit qu'ils pouvaient avoir un avocat. Ouais. J'ai dit qu'il y en voulait un, Mais ça n'a pas été possible. Il n'y en a pas eu. Et il a fallu qu'il y paye et qu'il attende. Qu'il fasse la peine. Ok, ça marche. Bon, je suis désolé, on va pas avoir le temps d'aller voir votre endroit là. Mais de toute façon, je vous crois sur parole et puis on passe souvent vers la couture, donc j'irai voir sur place moi-même. Ok, bah c'est très gentil. Merci de, d'être venu nous rapporter tout ça. Bon, ok, bah c'est vrai que je consulte régulièrement les infos. Parfois, quand vous faites des bandeaux. À la télé publicitaire pour certaines boîtes de nuit. Excuse-moi, non, c'est toi qui. Faire un tour. Et la personne qui est avec moi, souvent c'est lui qui est lui. Donc... D'accord. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Ouais, mais y a merci à vous. N'hésitez pas pour ce genre de choses hein, à nous interpeller, à faire ce que vous avez fait là, c'est parfait. Ok. C'est ok, gracias, merci beaucoup. C'est très gentil. Pas de problème, merci de m'avoir reçu. Hein. Ah, c'est normal. On est là pour ça aussi. Hein. Désolé, Bobby. T'es nerveux, hein. Déjà, hein, j'ai fermé ma gueule pendant tout le truc, quoi. Vapoter ou interroger, il faut choisir. Non mais il y a une question qui m'a travaillé pendant toute l'interview, donc j'ai juste rien dit. Bah, fallait la poser. Non, c'est à Gary qu'il va falloir que je la pose. Gary? Oui, mon ami. Est-ce que tu sais depuis quand il est là, ce monsieur? Quel monsieur? Ben le monsieur que tu viens d'interviewer là. Oh ben il est là, j'ai l'impression depuis à peu près un peu moins de temps que nous. D'accord. Il y a 3-4 semaines parce que je l'ai vu commencer à travailler à la couture en même temps que... Enfin on y était déjà. On y était déjà depuis un petit moment. C'est pas le mec qui avait essayé de voler mon scooter? Possible. Ça... Impossible. En fait, elle a perturbé pendant toute l'entrevue, donc. Ah bah, il faut me le dire, ça. T'avais raison de me le dire maintenant. J'ai hésité à t'envoyer un message, mais je me suis dit, il est dans son truc. Donc, j'ai préféré envoyer un message sur la mère de Bobby à Bobby. Ouais, lui coller une patate juste après. Ça, pardon. Mais voilà. Après, c'est pour ça qu'on dit qu'on récolte les témoignages et tout ça et qu'on en fera pas. Pas forcément quelque chose. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a toujours la possibilité que les mecs essaient de foutre la merde aussi. Hein. Clairement, la Lespi n'a pas que des amis, donc bon. C'est ça, mais il faut pas non plus les prendre pour les diables en personne, etc. Ou c'est les ça. Diaboliser, etc. Parce qu'il y a des bons flics dans le service également. Hein.
comment Stark se conduit, etc. Lui, ça a l'air d'être un très bon flic. Enfin, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Attends, un chauve. Man. Ça va, les gars? Ouais. Ouais, ça va. On va se mettre en route. Attends, j'envoie un dernier mail, moi. Ouais, ça commence à être bien calé, cette histoire de pub. Je vais bientôt pouvoir vous déléguer tout ça. T'es sérieux, là? Ouais. Oh, merde. Wow, c'est quoi le gros 4x4 qui est... Ouais, ouais, il est là depuis tout à l'heure. Et c'est pas pour chez nous? D'ailleurs, c'est celui de Oli. C'est celui de Oli. Elle a eu le problème du moment. Je vais aller voir la couleur. C'est qui, Oli? La meuf du garage. Elle est venue payer les pubs. Elle est venue payer les pubs. J'ai plus de fringues du coup, chier. Ah, faut que je te montre, Gary, ma nouvelle tenue pour le week-end. Vas-y. Putain, t'as la même veste que moi. Change-toi, toi. J'ai plus de tenue. Ah bah, tu vas en faire une vite fait avant la soirée, s'il te plaît. Non. Bon, moi, celle que je mets là, je vais pas la porter ce soir. Hein. C'est pas très latino. Oui. Hein. Ah non, mais c'est l'autre, là. Mec, j'avais cette veste depuis le départ. Allez, nique-toi. Ah ouais, d'accord, c'est papy métal. Ouais, t'as vu ça un peu? On dirait que je vais Wellfest, là. Quand j'ai vu ça, j'étais plié. Ah bah voilà, parfait. Non, on va Wellfest ou quoi? Ouais, ouais, dégueulasse. Ah, mais remets ton autre veste. Hein. Je vais pas y aller en métal. Bah, tu prends ton service et tu relèves ton service. Non, j'ai ça aussi, mais je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas si j'ai arrêté mon service. Non. Ouais, bah voilà. Putain, mais c'est une ancienne tenue ça. Non, je vais. Celle-là, c'est. Bordel, ça m'a fait me rechanger encore, fait chier. Ouais, je vais faire ce que t'as dit, je vais reprendre mon service. Ouais, non, je vais me faire une tenue, ça me gonfle. On se retrouve okay. Là-bas. On se retrouve ouais. Là-bas. Ouais. Ouais, t'es où là? Bah j'arrive, je sors de la boutique de Frank. Ok, ok, parce que... Bobby répond pas. Ah. Bon, je vais essayer de l'appeler. Ouais, y a pas d'info particulière sur son absence. Bon. Okay. Ouais, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. J'étais parti vite fait mettre mon argent en banque.
Coucou Romano. Ça va? Oui, oui, il est avec Juliette, ils arrivent. Ah ok, d'accord. Et au parking de l'appartement. Ah ok. Bon, tac, attends, faut que je vérifie un truc. Le réglage de son automne avant d'entrer, c'est à chaque fois que je me fais voler. Ah ouais? Tac. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On y va? C'est... Eh oui. C'est ouvert déjà? Tu veux qu'on les attende? Je sais pas. On peut les attendre. Ouais, ouais. Comment ça? Ah. C'est fini. Je dois avouer que tu parles relativement. Je vais pas faire ben de quoi? Bah, je vais pas faire de vieux. Ah oui, oui. Ah. Quoi? Je crois que c'est Zach. Ah ouais? Non, peut-être pas. Si, bien sûr. J'ai essayé de forcer les choses pour le passer, ça. En fait, non. En fait, non. Putain, t'as vu les motards comment ils sont arrivés à 6 ou 7 motos là? Ouais, ouais, ouais. Assez stylé. Ça déconne pas. Bonsoir. Bonsoir. La police dans le thème de la soirée. Hein. Merci. Ça va nickel hein. Faut pas dire mais même si ça dégénère avec les motards, c'est pas trois flics qui vont les impressionner. Hein. En effet. Ouais, la même. Bravo pour ton article d'ailleurs. T'es content? Enfin t'étais content, c'est, ouais, ouais, c'est un va. Peu le premier en direct live que tu publies donc ça a été, ça a été. C'est... Enfin... Oui, je sais même pas quoi dire. Waouh. Ok, merci suis... mec. je suis tellement à la masse là. Bobby m'a écrit pour me dire qu'il arrivait. Ils sont longs, putain. Ah, là, là Zach par contre. Ah, du coup si c'est lui. Ça je suis sûr, je reconnais sa veste. Ah oui. Ça va partir en couille, arrête. Ouais, c'est sur un peu nombreux aussi. Bonsoir. Salut bonsoir. Josh. Ouais, mais apparemment, coucou Zach. On me connaît. Hello, bah oui c'est Gary, c'est le frère Harley. Je l'ai pas reconnu. Ah moi je t'ai bien reconnu avec ta crête là, c'est direct reconnaissable. C'est tranchant hein. C'est marque de fabrique. Déjà il y en a un. Ah bah c'est une belle marque de fabrique je trouve. Surtout avec le retour de la tectonique là, j'ai vu un reportage tout à l'heure. Pardon. Le retour de la tectonique. Tu vois pas ce que c'est? La danse. Ouais ok, je suis vexé. Il a son téléphone qui sonne. D'accord. Ah, je suis tellement content d'avoir gagné un hamburger au Burger Shot. C'est... Bah, ça te fait 120$ d'économiser, mon pote. Non, bah ouais. 100. Ah, 95. Ah oui, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller chercher Marcus? Il est où? T'es où, Cucus? Pardon? Il est devant la LSPD. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il a été arrêté, ce cogno. Il est toujours en JAV là? Sur la JAV? Mais non, il est au tacos avec nous. Oui, mais il a quand même été arrêté, ça change pas la donne. Mais pourquoi il a été arrêté? Il a volé une voiture. Ah, bah oui, bah, attends. Bah oui, oui. La police a été sympa hein, avec lui. Du coup, il y a quelqu'un qui peut aller le chercher ou c'est pas possible? Ouais, si je suis obligé d'y aller. Bah, bon, y a quelqu'un qui vient le chercher. Est-ce que tu crois que ça passe ma tenue un peu plage à l'intérieur de la soirée? Tenue plage? Ouais. Ah, parce que non, je croyais que c'était ça ta tenue plage. J'étais là, c'est particulier. Non, non. Aucune idée. On va laisser. Bon, je vais essayer. On va laisser de façon tous ces messieurs rentrer là et ça va prendre un certain temps. Ok. Est-ce que tu peux me montrer comment on ouvre le coffre de mon scooter parce que je sais pas faire. Tout à fait. Vas-y, viens. Putain, et t'as vu, ça c'est la voiture de Gary. Il vient de se changer de bagnole. Il a changé de voiture. Ouais, je pense que c'était une erreur. Alors, tu déverrouilles.
Et juste là sur le côté, il y a une petite virgule, t'appuies dessus. Ah ouais. Voilà. C'est que je t'ai posé mon dos parce que pour me défendre j'en ai pris un. De quoi? T'as pris quoi? De couteau. Tu peux le garder. Ah je peux le garder? Ouais, enfin, tu peux le poser, mais tu peux le garder. C'est juste qu'ils te le feront poser dans une boîte à l'entrée. Ouais, mais je vais le poser. Hein. Ouais, ouais. Bon, je vais me changer, du coup, je vais en profiter. Ah, du coup, en fait, j'aurais pu prendre 10 minutes à cause, du coup, que j'ai un coffre dans mon scooter, quoi. Ah, y a toujours des problèmes. Attends, y a toujours des problèmes de voiture ici. Je reviens, je vais bouger ma caisse. Je pense que je devrais reculer là. Ouais, ok. Je vais sortir ma voiture d'ici. Non, moi, je... Mais Bobby. Tu vois, c'est aussi pour des raisons de sécurité que je me gare loin. Ouais, ouais, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Oula! Putain, j'avais même. Dépêche-toi! Bordel. Oula, y'a de la moto là. Oui, 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 ils sont. Oui, ils sont nombreux. Ils doivent être une bonne dizaine. Mais Gary est reparti, je l'ai croisé sur la route. Il est allé chercher un certain Marcus. D'accord. Juliette ? Je sais pas, en fait je me sens pas. Ah. Le problème c'est que c'est pas bonsoir, pratique monsieur. Ces cheveux là avec un casque. Ouais. Hello. Ouais, c'est vrai. Putain. Hey, hello. Salut. Bah dis donc, t'as changé de coupe de cheveux. Ouais, bonne soirée. Vous en pensez pas ? Ça fait des bah, moi j'aime bien. Ouais, bonsoir. Ouais, c'est des rajouts pour le moment, que ça pousse, mais ouais, je me tâte parce que j'aime bien le style, mais avec le casque c'est vraiment pas pratique et comme je fais que de la moto, voilà, c'est pas ouf quoi. Parfait, vous pouvez y aller. Tu veux que je te montre? Attends, parce que du coup je me suis acheté un casque comme tu m'as dit, Bobby. Bon. Ouais, ouais, je vais que te montrer, tu vas voir à quel point c'est pratique. Bah, t'as les cheveux au vent quoi. Vas-y, mon ref. Voilà! Non, moi j'aime bien. Ah oui, non. En fait, les rajouts sont trop épais. Il y a du monde déjà. Ouais, c'est ça passe pas bien derrière. C'est ça. Ouais, du coup, bon, je me bats entre avoir le style quand j'ai pas le casque ou le style quand j'ai le casque, quoi. Oui, bon, disons que t'as moins souvent le casque quand même. Bah, je suis tout le temps en moto, donc bof quoi. Oui, mais en attendant, quand tu te promènes en ville, quand tu discutes avec les gens et tout ça, tu l'as pas quoi. Ouais, c'est sûr. Quand je viens de découvrir la manette de mon coffre, de mon scooter. Ah, voilà. Je l'avais pas vu, elle était cachée sous la. C'est sous l'assise, c'est horrible. Un danger sur vous ? Je viens de regarder mon GPS. Ah, c'est pratique, hein ? Il y a un connard, il essaie de la vendre. Bah, tellement en fait. Tu me mets ça à l'entrée ? Moi en plus, je suis allé au. Ah, mais je t'ai pas raconté, allez. Je suis allé au Burger Shot et j'ai gagné un hamburger. Ah, moi j'en ai gagné 4, allez, chais. Mais t'as gagné juste un burger ou t'as gagné le menu? J'ai gagné 4 menus moi. Un burger et match. Ah, problème. Et en fait, c'est les deux cafés. Si vous avez un coffre, vous pouvez prendre plus de menus sur vous. Sauf que moi je pensais que j'avais pas le coffre, du coup j'ai pris que 5 menus, je suis un peu un teuteux. Ah, bah faut déjà. Mais toi t'avais les finances pour en prendre plus. Putain, moi j'ai galère. Ouais, bah Maria aujourd'hui était généreuse. Bonsoir. Ah, bah pas avec moi. Un danger sur vous, monsieur. Je suis mis toute la journée. Peut-être aller au chantier, hein. Finalement, le chantier. Après, bon, c'est sûr, c'est pas l'endroit où tu fais le plus de social. Déposer, mais, tout ça à l'entrée. Bah, c'est ça. Moi, j'aime bien entrer des gens. Ouais. Mais niveau thune, je pense que c'est plus rentable. Ouais. Ah ouais, moi je trouvais que c'était l'inverse. Un danger sur vous. Pourtant, si. Si tu artilles bien, tu te fais plus de social. Ah ouais. Ok. Ouais, mais tu t'en l'avais dit. Faut mettre tes écouteurs, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais bon, par contre, voilà, t'es tout seul, quoi. Enfin, non, mais de toute façon, là, comme je disais à Bobby, mon objectif number one, c'est d'économiser pour payer le PPA et puis après passer le vigile, quoi. Oui, hein. Bah, vachement vite là normalement, mais si tu une heure à la couture par exemple, bah, tu fais moins 2000. Tu parles, non, parce que vous payez la bouffe. Bordel. Oui, bah la bouffe c'est pour une heure, c'est un menu tacos. Hein. Pourquoi tu t'arrêtes, on t'a pas dit non. Il y en a qui sont bien déjà dans l'ambiance. Hein. Bah écoute, le truc c'est que j'ai aussi payé le coiffeur. C'est mon problème, peut-être je fais trop de shopping. C'est pas faux. J'ai été voir au tatoueur tout à l'heure là, 4000 pour le dos, ça fait mal. Ah bah moi, ah ouais. Sachant que je veux faire pas que le dos, donc moi j'ai fait le bras et le mollet aujourd'hui. Ah ouais, putain. Ah mais c'est bien. Là il se fait voir. Tu clignotes pas le tien, c'est bien. Ça va. Bah je sais pas, mais il y en a qui les voient pas. Ça va être hein. Non non, je les vois. Ah c'est cool, passe. C'est cool. On bah moi vu que bon j'ai envie d'en avoir partout sur le corps, voilà que enfin je me trouve un vrai boulot. Ah ouais. Vas-y, passe une bonne soirée. Je pense que d'avoir une tenue appropriée. Eh hein, mais c'est Marcus. C'est Cucus. C'est le frangin. Hop. Ça va Lara Croft Barba Papa. Ah oui, voilà, c'est ça. Barba Papa. C'est Barba Croft. Qu'est-ce que ça fait? C'est un dangereux sur vous, monsieur? Ah ouais, mais c'est Beruk. C'est des rajouts pour le moment, le temps que ça pousse. Mais si personne n'a, je les viens. Je vous laisse passer une bonne soirée. Ça change. Ouais, ça change, mais en bien ou en mal? Ça change. Ça va, ça va. Allez, go. J'aime bien. Okay. J'ai l'impression de faire un peu de tâche. Bah non, t'inquiète. Un dangereux sur vous, madame? Et je suis saturé en ma journée. Je vais pas le faire par sécurité. Quoi? Oui, j'aurais fini après vous. Parfait, je vous laisse passer une bonne soirée. Toujours le swag, hein, Romain. Ouais, bien sûr, vous. Ouais, ça va. Ça. Bah, j'ai que deux clients. Fais gaffe, on prend des gouttes d'eau là quand on est dans l'escalier. Un dangereux sur vous à déclarer? Ouais, oui. Je vais pas voir ça. Une lampe torche, vous allez quand même la poser à l'entrée, s'il vous plaît. Ouais. Parfait, je vous laisse passer une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Un dangereux sur vous, monsieur? Si, à vous. Vous avez un coup de temps? Je vais pas le faire par sécurité. Ouais, des fois au gouvernement c'est un peu lent vu qu'il y a personne. Je laisse le déposer à l'entrée. Après, ça pas de va. Soucis, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Ouais, y'a pas grand monde. L'arme dangereuse est déclarée sur vous, monsieur? Non, monsieur. Fais gaffe, Josh, tu prends les gouttes sur la gueule là. Après, je disais, c'est vide. Hop, parfait, je vous laisse passer une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. L'arme dangereuse est déclarée, madame? Mon couteau, mais je le déposerai à l'entrée, parce que. Ah ouais, effectivement. Mais ok, parfait. C'est une bonne soirée. Merci à vous et bon courage. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Deux, trois trucs. Hein. Deux, trois trucs. Ouais. Je vais regarder ça. Tant que vous posez tout à l'entrée, ça me va. Ouais, voilà, on va faire ça. Ok, deux, trois trucs. Bah, okay. Deux, trois petits trucs dans la boîte et okay, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Hop, attends, je pose mes trucs. Là. Ouais, ouais, j'ai déposé aussi, t'inquiète. Ah. Et... ah, mais les autres ils ont tracé, bah vas-y, on avance. Hein. Ouais, ils ont tracé, bah moi j'étais oublié, j'attendais quoi. Il risque que Bobby il connaît la route. Ah non, Non, il y avait Josh aussi. Ouais. Du tequila surtout. Ouais, ouais, tequila c'était bien. Ouais. Je la sens pas la soirée là. Ah bon? Ah, on est les seuls ou pas? Non. Non, mais avec les gars, il y a les bagos. Les bagos, c'est ça. C'était visible là. Ouais. Pourquoi je vais. C'est vraiment une passion. Bonsoir. Je pense que. Je vais pas pouvoir payer la tournée. Moi non plus, ça c'est compliqué. Moi je vous conseillerais plutôt de prendre une bouteille plutôt qu'un verre, ça vous reviendra moins cher comme vous êtes en groupe, sauf si vous buvez des boissons différentes. Non, on va tous boire la même chose là, vous allez pas faire les relous hein. Ouais. C'est comme vous voulez, hein, y'a aucun problème. En fait, c'est le paiement se fait par carte ou par liquide? On peut faire par carte ou liquide, c'est comme. D'accord, vous voulez, et la bouteille elle est à combien? La bouteille elle est à 600. Non, tout va pas. J'ai pas compris, excusez-moi. Alors, 600. Ah, je crois que je vais pas boire de la soirée. Je vais en prendre.
Oui, non mais c'est bon, j'en prends une. De 4, 6, 7, 8. Ça va. Alors, la bouteille, ça peut être un équivalent à 6 verres. Ah ben, non, on va prendre 8 bières. Mais en tout cas, c'est dégueulasse d'avoir dit, je sais pas, qui pensait sur toi, il pensait que tu avais confiance, que t'allais rien dire, et au final, t'as été. C'est que je vais vous faire un pack de bières, plus 2 bières, ça vous va? Oui. Ok, super. Je fais la facture à qui? À moi. Ah, bon, ah, bah, je te rembourserai, Juliette. Ah, non, mais j'ai fait plaisir, attends. Alors, attendez, je vois ça. Ouais. Et le banquier il m'a déjà appelé. Il dit qu'est-ce que vous faites avec votre compte? Je vous donne la facture pour régler comment? Excusez-moi, j'ai voulu me faire un petit resto en arrivant en ville, c'est un peu trop cher. Aïe aïe aïe, Agatha. C'est toi, Frangin, qui avait eu un appel aussi du banquier quand t'étais arrivé en ville? Exact. Josh, le banquier t'a appelé. C'était Madame Péton qui t'avait appelé, non, Gary? Vous voulez que je vous dise qui? Bah oui, tout à l'heure, je t'ai dit quand t'as dû me déposer à la banque. Vous voulez que je vous distribue à chacun ou. Non, bah, oh, même Gary est là. Yo Malena. Si tu peux, ouais, à la limite. Yo, incroyable. Sinon, je vous donne tout à vous et. Oui. Tu as réceptionné mes petites photos. Voilà. Yes, je t'ai dit merci. Voilà, voilà, elles sont nickel, hein. Merci, on n'aura pas besoin d'aller s'y promener. Bonne soirée, madame, merci. Bonne soirée. Ouais, attends, mais venez là, les culs. Hein. T'es droit de voir quelque chose? Non, je suis déchou. Pourquoi? Alors. Bah, pourquoi t'as pas la tenue? Parce que je travaille, je peux pas. Elle vous a dit, Malena? Non. Gary, oui. J'ai entendu Malena dire qu'elle t'avait fait les photos. Elle t'a dit qu'elle est allée voir les Vagos? Oui. D'accord. Ah oui, voilà, ça s'est bien passé. Ils lui ont donné l'autorisation, etc. C'est okay. Ça qui m'a fait rire. Faut aller voir Juliette, ouais, qu'elle aller voir les Vagos toute seule, tranquille. Elle est où, Juliette? Elle est là-bas? Dans le coin, à l'entrée. Ah, ok. Ah oui, Je peux pas là, je peux vraiment. Qui en prend une là? Moi, merci bien. Non, mais je peux pas en fait. C'est pas. Vrai? Ouais, ouais. Tiens. Il faut que j'aille merci au magasin pour changer et tout. Et allez, gentil. Et pour toi? Oui. Merci. Tiens, c'est cadeau. Bah, c'est gentil. Elle est où Arlée? Il en reste deux encore à donner. J'ai envoyé la facture. Ah, bah, parfait. Ah, là, c'est déjà en train de faire des claquettes. Ça danse. Qui c'est? On va se calmer avec les caquettes, Bobby. Elle est où, Arlée? En haut, peut-être? Ma gueule, Ouais, c'est vrai, moi aussi, en fait. Oh, so city, que rico, papi. Ah, c'est mieux que les phares à l'unicorn que tout ça. Non, ouais. Non mais on est tous calés C'est gros là. Sur le pas. Tous en rythme. Bon ben santé les copains. Eh ouais, merci Juliette. Santé. Ok. Marcus. Ouais. Écoute, t'es célibataire. Même pas. Ah non? Elle va venir avec du coup, elle va déménager. Ouais, on verra. On va voir. Ah, t'en profites là. J'avoue, ça fait un peu. Ouais. Moi, j'ai gardé la danse du Weather. Moi? Peut-être voir les femmes. C'est bon, j'en ai déjà une, moi. Ah, arrête de faire l'over, Marcus. C'est tout ce que t'es amoureux des cœurs.
C'est ça ton problème, Zachary. Non, ça c'est ton problème. Non, c'est ton problème. Non, non, c'est le tien. D'ailleurs, il est où Conrad là? Excusez-moi, madame. Oui? Vous avez un petit peu les cheveux de la reine des neiges. Est-ce que vous auriez de ma princesse? Oui, j'ai raison. Franchement, même moi qui suis de ce bord-là, je la trouve super sexy. Ouais, mais je m'en fous. Ah ouais? Ouais, arrête. Marcus, arrête. T'es connu. Est-ce que vous savez que les princesses, il y avait des numéros? Ah ouais, si, si. Ah, je crois que ça existait. Dans vos cheveux, il y a 5 tresses, comme les 5 numéros que j'aimerais bien voir. C'est rien, c'est un numéro, c'est... Sauf pour voir avec le reste, c'est cool, là, celui-là. Moi, je prends juste le numéro, après, je te laisse toute la soirée. Monsieur Salam, Adam, on va... Ouais, ça commence avec un numéro. Si si, on se recontactera plus tard. Hey, il faut qu'on parle pas les deux là. On a déjà tout la soirée. Non, ça va, tranquille. Non, tu les gars, après on va encore finir en garde à vue à cause de toi. Si, mais j'ai pas fini de négocier. Ah, c'est ton frère. Si tu veux, toi aussi, il te paye en verre. Ouais. Allez. Du coup, voilà, j'ai pourquoi pas aller boire un verre dans un café. Moi, c'est Jaco. Jaco? Si. Mais tu peux m'appeler Pépé. Allez, fais gaffe, je suis le calme. D'accord, et vous, comment vous appelez? Charles, bonne demoiselle. Parlez. D'accord, d'accord. Je retiens. Je reviens de vous voir. Ça marche. Hasta luego, signora. Arriva, pa'abajo, lento, lento, arriba, pa'abajo, lento, lento, arriba, pa'abajo, lento, lento. Acho mami, eso movimiento, pa'arriba, pa'abajo. Ah, ya está Cubiru. Lento, pa'arriba, pa'abajo, lento, lento, arriba, pa'abajo. Bien sûr, lento, il est pas numéro, mais. Et si se pone de palle, porque quiere foto, dale. Ah, il était déjà en date, Alec. Toma, 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 dale, toma. Il était déjà en date, Alec. Te gusta esto, pues entonces dale, toma, dale, toma. No lo piense, dale duro, 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 clávala. D'accord. Duro, 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 duro. Arde, si on se le cause pas, pas si t'inquiète, on va se le faire. Au revoir. Su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rompelo, ya aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, ya aplástalo, bátelo, rompelo. Baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si el mundo terminara, baila, baila, baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara, baila. Quiebralo, rompelo, ya aplástalo, bátelo. Quiebralo, rompelo, ya aplástalo, bátelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Eres recatado y eso lo sabemos. Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Eres recatado y eso lo sabemos. Quiebralo, rompelo, quiebralo, quiebralo, rompelo.
La plaza no patelo. Quiebra no rompelo. La plaza no patelo. Dámelo. Dámelo. Tu le regardes avec une certaine envie, j'ai l'impression. Oh que oui. Ça se voit tant que ça. Ah mais j'ai envie de les suivre. Attendez-moi les amis. Mais si tu veux les voir partir, à mon avis. Ils sont venus chacun avec leur moto, tu les as pas vus arriver? Non, je les ai pas vus arriver. Ah, vas-y, viens, on sort, tu vois. Mais tu crois que je peux sortir et rentrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, au pire, tu te refais fouiller, mais... Ça va? Ça va? J'ai même pas vu leur moto poser devant. Ah ouais? Bah, tu déconnes? Non, j'ai pas vu. Ça vient passer? Oh putain! Oula, c'est violent la sortie là! Ça va, merci! Un petit message? Okay, ouais. Ah oui, je pense que. Ouais, quand même. Mais après, comme dit, quand ils vont là-bas. C'est quoi cet attroupement là-bas? Ils sont plus, ouais. Ils sont plus chez nous. En fait. Je pensais que c'était mon ami derrière moi! Non, mais Romain, du coup, c'est deux groupes de bikers là, c'est pas le même? Si, c'est le même. Ah, c'est le même, sauf que. Attends. Il y a le groupe de bikers et le groupe de vagos qui sont en train de se faire un petit face à face sur le parking. Je sais pas si ça veut pas mal tourner l'histoire. Le truc, c'est que si on appelle la police, ça part encore, ça va être pire quoi. Ouais. Donc c'était au cas où pour vous prévenir quoi. Ça part pas en couille entre eux. Ouais, non, mais aussi. Tu cherchais un endroit pour passer? Non, je suis allé. Oula. Il y a un mec qui essaie de. J'espère qu'il va pas toucher ma voiture quand même. Une femme ici, putain. Pourquoi? Voilà. Hein. Parce que j'ai toujours du mal à me caler contre un mur. Ah bah, bref, histoire de femme. Pas parle du loup. Donc c'est le même groupe de bikers. Ouais, ça part en couille. Deux groupes, de l'histoire. Ah mais j'étais en train de prévenir Gary pour qu'il vienne. Non mais c'est bon, ceux qui vont pouvoir partir vont partir et il y en a d'autres qui vont se faire serrer et puis basta. Ah même il me demande de prendre des photos, tu prends des photos là pour non, Gary? Non j'ai pas pu. Dis-lui c'est fini, c'est trop tard. Ouais je pense qu'ils vont y aller au 3h. Hein. Des photos? J'essaye. Elles sont pas terribles. Enfin, elle est pas terrible, j'en ai qu'une pour l'instant. Bonsoir, monsieur l'agent. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous rapprochez pas plus. Ouais, non, je me rapproche pas. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. Je travaille pour le Weasel News. Attention, vous parlez pas fort, hein, monsieur. Je disais juste, je travaille pour le Weasel News, je voulais juste... Oui, j'ai très bien compris, monsieur, mais comme je vous disais, ne vous approchez pas plus. Oui, non, vous inquiétez pas. Ok. Bon, bah, moi, à la base, je voulais juste voir les motos, mais... Ouais, du coup, c'est parti un peu en vrille. Du coup, j'ai qu'une photo, du coup. Mais elle est pas ouf. Désolé. Ah mais putain! Leur vegan, et c'est parti en baston! C'est con. Dès que j'ai mon PA, je vois
retourner à l'intérieur. Ouais, bah ouais. On l'a vu venir à 10 000, on est sorti. Tu veux, t'as vu les motards et les vagos qui sont arrivés en face à face sur le parking? Ah oui, oui, ok, je... Ok, ok. Hop, bonsoir monsieur. Rebonsoir. Rebonsoir. Bon, fouiller. Toujours rien de dangereux? Toujours pas. Ça va alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ouais. Toujours 2-3 trucs. Toujours 2-3 trucs. Ouais. Je poserai dans la boîte. Je vais te refouiller. Dans 2 petites secondes. Ouais, ouais, pas de soucis. Voilà. Alors. Yes, je vais se déposer ça à l'entrée, puis yes. Pareil. Merci, bonne soirée. Yes. Non, on pointe pas du doigt les gens. Non, pardon. Du coup, il y a eu baston dehors. Les motards et les vagos qui se sont tapés. Ouais, mais c'était inévitable. Hein. Ah ouais, non, mais grave. Et faut que j'aille voir Gary. Ah bah, il est là, il vient de rentrer. Ah ouais, par rapport à la théorie qu'il avait tout à l'heure sur Flash Info. Ouais. Tu crois qu'elle est vraie? Ouais, ton pote là, tu l'as vu tout à l'heure, le Juju. Celui dont Gary parle. Ah, attends, on en parlera. Mais viens, il est dehors, il est dehors. Il est dehors. Est-ce qu'il a une chemise à fleurs? Oui, je l'ai croisé tout à l'heure. Ok, bah voilà, c'est bon. Donc, ok, super. C'est lui? Tu veux une vodka? Gary? Allez, dis, j'ai pété le son. Oui, amigo. Ouais, grave. Viens voir, faut que je dise. On va s'endormir là. Allez, ça va péter ça. Pas forcément ici, hein. Ouais, plutôt là-bas. C'est, de toute façon, la personne concernée est pas là. C'est Flash Info. Oui. T'avais une théorie? Oui. Eh ben là, pendant qu'il y avait la bagarre, il y avait théorie. Oui. Dissimulé derrière un mur en train d'essayer de faire des photos. Yes. Voilà. Donc théorie quasi vérifiée. Tout à fait. Putain, j'ai le flair, bordel de cul. Oh bah ouais, grave. Là c'est un peu chaud. J'ai croisé Juju et Bobby à la sortie, je leur ai dit. Ouais. Il était vraiment. Enfin, je sais pas, tu l'as vu toi? Ah bah oui, je l'ai grillé total. Ah ok. Ah ouais, non mais ouais. Vraiment, vraiment, vraiment grillé quoi. Donc limite, on va voir hein. Limite je regrette de pas avoir fait une photo de lui en fait en train de truc et après tu sais genre une photo de plus près après. Attends, j'ai Vito qui m'appelle. Vas-y. Hello boss. Ça va et toi? Ah non mais y a aucun problème quoi, c'est moi qui étais désolé parce qu'on était tous à squatter dans ton jardin, bref. Là, on est tous à la soirée latina au palace. Exactement. On a pris quelques photos, pas probantes non plus, mais bon, au moins on était sur place, on a constaté les faits et tout ça. Hein. Il nous en reste une à minuit, Bobby va la gérer, donc pas de soucis. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, là-dessus, il nous a parlé d'un truc. Moi, je veux juste te donner mon avis dessus. Parce qu'il nous demandait si on pouvait intégrer des avis de recherche aux articles. Alors, dans la pratique, on lui a dit que c'était faisable. Mais perso, je suis particulièrement contre ça. C'est à la police de faire des avis de recherche, pas à nous, quoi. Mais après. Ouais. Ah, mais. Ils viennent poster, il va pouvoir y avoir des avocats. Ouais, c'est ça. Clairement. Bon bah écoute, bon courage pour ton rendez-vous avec Johnson et puis on pourra débrief ça après si tu veux. Yes.
Mais y'avait pas Bobby qui voulait le voir à Johnson? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Désolé, je t'entendais pas, qu'est-ce que ouais. Tu disais? Y'avait pas Bobby qui voulait le voir à Johnson aussi? Si, mais bon, il va juste rester là, il va faire ses affaires urgentes et puis il va se trouver jusqu'au 22. Hein. Ok, j'ai mis un lien sur nos mails là, à nous. En gros, le procureur cherche des avocats. Ça date du 29 mai la publication. Oui, mais il vient de la re-up. Il vient de la up, ok. Effectivement. Intéressant. Voilà. Et merci pour le tuyau. Bon, après, tu l'aurais vu, hein, c'était juste. Je te paye un verre? Allez. Bah pour moi c'est cher hein. C'est combien déjà? 200 non? Salut hein. Salut Rosie. Tu voulais boire quelque chose? Ouais, deux tequilas s'il te plaît. Deux tequilas, c'est toi qui paye? Yes. Si je t'ai fait de la petite facture. Si, señorita. Hop. Faire une séance de téléspiritisme. Oula, mais t'es possédé? Non, elle fait de la voyance. Hein? Non, mais elle vient dire qu'elle va invoquer des morts. Bah oui. Messieurs, si vous voulez des petites séances de voyance, vous pouvez voir avec la fille derrière. C'est combien? Ok. Okay, à la fin. Bah, c'est yes, là. Merci. Vas-y, dis-moi. Et voilà. Ce que tu dis sur moi. Mais pour donner merci, profitez bien de ta soirée. Non, non, merci. Moi je veux d'abord voir si tu es compétente. Eh ben tant pis. Ah, bon, c'est vous, madame la voyante? Oui, c'est à moi. Ouais, c'est une alors, ça marche le business un peu sur la ville? Vous avez ouais. Réussi à trouver quelques clients? Ouais, tout à l'heure, il y a des séances. Ça a marché sur une police. Ah ouais? Il y a des séances tout à l'heure à faire avec des gens du bar. Ouais. Et après, on va faire le séance spiritisme. Oh, nice. Vous avez trouvé. Pourquoi pas, c'est à quelle heure? C'est après service des tata. D'accord, c'est du coup c'est payant le spiritisme? Ouais, c'est payant, ouais. Combien? C'est 500$. Waouh! Bah écoutez, je vais réfléchir. Est-ce que vous pouvez, au cas où, enfin je sais pas si c'est indiscret, etc., est-ce que vous pouvez me laisser votre numéro? Parce que j'aurais peut-être besoin de votre service. Bien sûr, n'hésitez pas, c'est les 77-063. Vous avez pas reconnu? Attendez. 77? Ouais. 063. Tac. Et votre nom? Brinda. Ça roule, c'est noté. N'hésitez pas pour séance pas chère. Hein. Ok, c'est combien les séances hors spiritisme là? Hors spiritisme, c'est 200$ une question, 400$ ouais. Pour séance complète. Ok, ça marche. Après, ça passera à 600$. Et Belinda, vous vous rappelez que vous devez m'appeler pour qu'on en parle au journal. Hein. Ah oui! Ah bah attendez, moi j'ai pas oublié. Mais vous avez dit qu'il devait faire quand l'entreprise elle sera. Quand elle sera au bureau? Honnêtement, on peut, je pense en parler même avant et faire un petit mot là-dessus avant. Ah oh, ouais, il adorerait vraiment, hein, seigneur. On essaiera de. J'ai toujours votre numéro. Vous avez le numéro? Okay, oui, vous me l'avez donné la dernière fois. Mm-hmm. Et comme ça, je vous appelle à la limite et je dirais. Vous êtes là demain? Il y serait. Mais si, même si c'est pas là, laissez un message, n'inquiète pas. Je vous laisse un message et puis on essaye de se contacter parce que franchement, je trouve que ce serait intéressant d'en parler. Bien sûr, c'est du jamais vu ici. Ah bah oui, clairement. Donc il faut en profiter. Et on va faire séance spiritisme. Si vous voulez venir tout à l'heure, on va invoquer la muerte. Ah non, moi je serai plus là. Hein. Pour ce genre de choses, moi je disparais. Hein. Ah, vous avez peur. Il a les chocottes. Je l'ai croisé déjà deux fois de près, la muerte. Je la laisse là où elle est. Il est tombé du haut. J'ai croisé la muerte de Romain, la muerte de Gary. Non, c'est la mama de Romain. Ah mince. C'est la tienne, non, mais... connard. Mais non, mais je vous appelle par contre. J'aimerais bien qu'on fasse un petit billet sur un petit article là-dessus. Ce serait super intéressant. Ah, j'adorerais vraiment. Ça me ferait très plaisir. Il serait coopératif avec vous. Bon, mais c'est, nice. Ça, c'est super.
Ok. Ça serait un article audio ou alors écrit? Non, on fera à l'écrit dans un premier temps. Hein. Oui. Après, avec une photo agrémentée d'une photo, si vous le souhaitez, bien sûr. Bien sûr. Histoire de vous faire un peu connaître, tout ça, quoi. Tout à fait, c'est très bien. Eh ben super. Eh ben, je vais seulement faire ma carte de visite là. Eh ben top. Comme ça, tout le monde elle sera sur Life Invader et ainsi que les tarifs carrément. Pour toutes les prestations. Et Gary, du coup, tu veux faire une séance? Pas tout de suite. Mais j'y réfléchis. Ah, peut-être. Mais ça, je vais pas te le dire. Mais là, tu peux lui dire. Ah, ça reste secret. Ah non, c'est un peu un secret médical, la question voyante, tout ça. Il y a un code de déontologie de la voyance, j'imagine. Ouais. Déjà, pas de questions sur la santé. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Après, le reste, pas sur la mort, la santé. Par la mort, pour parler à une des femmes, mais après, le reste. Ah bah si c'est pour ton problème d'impuissance, c'est mort du coup, Gary. Oh, il est comique, lui, dis donc. Et c'est le vieux de 50 piges qui me dit ça, quoi. Ok, je vais au lit. Allez, à la tienne, Romano. Yes. Allez, oh merde, c'est mon café. C'est bonne soirée, messieurs, dames. Merci. Bonne soirée. Pardon. Excusez-moi. Tu veux reboire un coup, Jules? Non, ça va aller, je suis déjà rentré devant l'entrée là, j'ai... Alors, je me suis assez donné en fait, je donne ça, je pense. Ça va ou quoi? Bon, je vais dans. Et toi? Bah écoute, Et c'est quoi, j'ai vu tes affiches sur Life Invader, la vache, c'est vraiment stylé ce que tu fais. Comment ça, j'ai fait quoi? Bédou. Mais non, c'est Ernesto. Mais c'est pas moi, c'est Ernesto. C'est pas moi. C'est Ernesto là. Putain, Ernesto, bordel de cul. Tu l'as confondu avec qui? Avec Juan. Avec un ancien collègue. Ah! Mais super! C'est super, je la vois partout, j'en ai marre. Allez, confondu avec Juan. Il faut que je change de couleur de cheveux, je crois. Oh bah, non, s'il non, te plaît, ah, oui, un si, petit en rose blanc bonbon. Comme Ouais, ouais. Tu crois que ta casquette t'as changé par contre, toi aussi là. Ouais, t'aimes bien ou pas? Ouais, ça va, j'aime bien. Oh, pardon. Bof. Excusez-moi. Pardon. On bloque le passage. Pour l'instant, c'est pas définitif, hein, je peux encore changer. Mais en fait, j'ai un problème. Ce qui s'explique, c'est que moi j'adore. Mais il faut que je choisisse entre avoir le style quand je suis sans casque ou quand j'ai des casques. Parce que... Ah! C'est de la moto, lui. Hein? Non, la tête, c'est de la moto. Ouais, non, en fait. Non. Ouais, un peu. Ouais, vite fait de loin, quoi. Ouais, je vais pas tarder. Bah nous non plus. En plus je commence à avoir bientôt faim et j'ai peut-être que ça avec moi. Ah mais je t'enfile rien. Tu veux qu'on file? Ouais, allez, ouais, Gary, Gary peut me relayer sur la pub, donc c'est bon. Vous y allez? Ouais. Ok, bah passez une bonne fin de soirée. Je t'ai envoyé le message du coup pour la pub de mon petit loulou. Ouais, donc tu veux que je la pub alors? Ouais, s'il te plaît. Ouais, bah, pas de problème. Ça roule. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Ah, c'est marrant. Ouais, parce bravo. Que... Elle a la même coupe de cheveux que toi d'habitude. Oui, mais c'est pour ça que Juliette, on me confond tout le temps, on m'appelle tout le temps Juliette. Ah ouais. Hein, okay. Ouais, on y va. Ouais. Et du coup, j'ai causé des problèmes à l'employé parce que. On est en train de boucher le passage, les gens. Bah ouais, mais on était que deux à la base. Allez, salut. Ah, bonne soirée. Le monsieur. Le tequila qui m'a filé. Gary, c'était pas une bonne idée, j'ai l'impression. Ah, moi j'ai pas bu mon dernier Jaeger dans le doute, tu vois. Bon, en même temps, j'ai bu deux cafés en suivant. Et du coup, oui, mais. Attends, coup... je reprends mon. Putain. Il a les cheveux. Courts comme moi sur le côté, puis les cheveux un petit arrière au-dessus. Ok. Non. Et c'est bien habillé. Salut. Au revoir. C'est plutôt bien habillé. Je verrai. De toute façon, si tu restes là, tu. T'as vu, je suis même pas tombé. J'ai peur, je vois plus ma voiture. Je vois plus la mienne non plus, hein. Romain, tu veux nous raconter du coup qu'est-ce que par rapport à Flash Info là? En fait, là il y avait, tu vois, là sur le parking où il y a les flics, il y avait, il y a les bikers qui sont arrivés d'un côté, les vagos qui sont arrivés de l'autre, ça a parlé 30 secondes et ça a commencé à se taper. Et quand on voyait le rassemblement, je voyais un mec, tu sais, genre, enfin moi j'étais là-bas sur la terrasse, il y avait un mec, il était genre derrière le poteau là,
caché, genre vraiment planqué derrière la murette et tout. Ou le muret, ouais. Je sais pas comment on dit. Et j'étais là, bah lui il cherche à avoir des photos de quelque chose. Donc j'ai laissé passer et j'ai été con, j'aurais dû prendre des photos parce qu'après le mec est venu se poser. Faites gaffe, décalez-vous. Bah attends, c'est très simple, on verra s'il y a quelque chose qui se publie ou pas. Oui, tout à fait. Mais ça, s'il y a quelque chose qui est publié, oui, ça, oui effectivement, madame, on saura que c'est lui. Oui, s'il vous plaît, monsieur oui dame. Oui. Oui. Si on est en travers, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que ah vous avez besoin de quoi, monsieur dame? Il y a nos voitures qui sont bâchées sur le parking. Pardon. Effectivement, tu sais, on les sort tout de suite. Comme j'ai dit, j'ai prévenu du l'intérieur aussi. Il risque d'y avoir quelques personnes qui vont venir déplacer leur véhicule avant que la fois arrive. Ah oui, c'est quand même de la violence. Oula! Ce véhicule est déjà sorti, ça. Bah non? Alors j'ai un souci de bâchage. Bon. Je reviens. Non, parce que je voudrais pas que ma voiture reste là en fait. Arrestation, bien penser à mettre... tu veux que je me décale bien non, à prendre la photo. Parce que t'es pas sur ma voiture. Ma voiture est censée être sur cette place. Voilà. Et regarde sur ton assurance. Bonne soirée. Ça va aller ? Oui, je vais me débrouiller. Super. C'est un peu compliqué, mais d'accord. Oh, monsieur l'agent ? Oui. Alors, j'ai ma voiture qui est censée être bâchée sur cette place, là, mais impossible de la débâcher. Voilà. Est-ce que ça pose souci ? C'est une gutelet ? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est bizarre. Ouais, est-ce que je peux aller me resynchroniser avec mon environnement ? Je reviens dans 2 minutes, 3 minutes. Attendez. Y'a possibilité que... Hop. Ah, attendez, 30 secondes. Ouais. Oh, ah, c'est la fourrière qui vient chercher ma voiture ? Du coup, je vais essayer un truc. Ouais. Ouais, bon bah il faudra prendre un taxi ce soir monsieur. Ok. Voilà. Hop, je vais appeler des potes. Vous avez donc indiqué à mon collègue que les personnes ont récupéré leur véhicule, c'est ça? Ouais, bah en fait là vous êtes sur un... C'est un peu plus complexe que ça en fait. Ouais... En fait on va dire qu'il y a des véhicules qui ne devraient pas être là. Voilà, vous voyez bah là vous êtes sur un véhicule que j'essaie de rentrer dedans, voilà. D'accord. Et pareil, est-ce que vous voyez le véhicule Vagos à ma droite là? Non plus. Voilà, okay, bon, c'est ça le problème. D'accord, là, il y a des familles sur zone. Ouais, je sais pas parce qu'ils sont là. Que...